Allez, hop, 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 hop. Allez. 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 Allez, 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 allez. Sur les 70 hectares, il y a 30 hectares en pâture et 40 hectares de foin. En 40 hectares de foin, en prairie naturelle, ça fait 400 rounds, quoi. Pour passer l'hiver, et j'ai moyen d'en vendre un peu, parce qu'avec 400 rounds, j'ai un petit peu de marge quand même. Sur les 70 hectares, j'ai 30 vaches. 30 vaches avec un taureau en monte naturelle. Donc les vaches, c'est des salers purs. Et le taureau, c'est un blond d'Aquitaine. Donc, je vends des veaux croisés, du coup, salers blond d'Aquitaine. Ce qui est intéressant pour plein de raisons. D'abord, pour la qualité de la viande. Le blond d'Aquitaine amène un grain plus fin au niveau de la viande et meilleur rendement en veau. Mais par contre, j'ai pas de, du coup, avec mon système, je ne peux pas élever de jeunes pour le renouvellement du troupeau. Du coup, je suis obligé d'acheter mes génisses à l'extérieur. Puisque j'ai qu'un seul taureau et que tout ce qui est naît sur la ferme est vendu en veau. Voilà, donc moi je m'appelle Philippe Arnaud. Je suis installé ici à Anvec depuis 1999, sur des terres qui étaient en friche avant. Depuis le début, je me suis installé en système herbagé, 100% d'herbe, prairie naturelle pour l'essentiel. Donc il y a eu beaucoup de travail de défrichage quand même, parce que comme tout était en friche, ben, ça a pris beaucoup de temps quand même pour tout défricher. De fil en aiguille, au début je me suis installé avec 10 hectares, aujourd'hui j'en ai 70. Et puis, sur les 70 hectares, il y a 30 en pâture, avec des zones très humides en bas-fond, et puis des zones beaucoup plus sèches en montagne. Il y a plus de 100 mètres de dénivelé sur la ferme, entre les terrains les plus bas et les terrains les plus hauts. Il y a un dénivelé de 100 mètres, donc c'est quand même assez important pour la région. Mais ça c'est bien aussi parce que l'été j'ai des terres basses qui sont très bien pour l'été et puis des terres hautes qui sont très bien pour l'hiver. Donc voilà. Je suis en plein air intégral, donc les vaches sont tout le temps dehors toute l'année avec leurs veaux. Il n'y a pas de bâtiment pour les vaches. Voilà. Et donc je fais du veau de 4 mois en vente directe, soit à des particuliers en caissette, soit à des boucheries comme la Biocoop de Quimper ou d'autres Biocoop comme Landerneau, Plougastel. Et puis des magasins de producteurs aussi un peu. En plus de ça, j'ai à peu près 10 km de talus. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé ici, les talus ils avaient été mis à blanc parce que l'ancien propriétaire qui était en dépôt de bilan avait tout coupé à ras. Mais bon, en 20 ans, les arbres ont poussé. Donc maintenant, je commence à avoir un peu de production de bois de chauffage que je valorise en vente. Donc voilà, livraison aux particuliers en bois de chauffage, quoi. Je me suis installé en 99, donc évidemment en agriculture bio. Bon, en plus, c'était facile puisque tout était en friche. Donc, j'ai eu mes 2 années de conversion, mais c'était juste une formalité parce qu'au niveau agronomique, technique, c'était déjà en bio depuis belle lurette puisque c'était en friche. Donc 99, mon installation, mais en fait, moi, je voulais être producteur bio depuis l'âge de mes 14 ans. Donc, en fait, ça a pris 35 ans, mais j'ai fini par y arriver. Et paysan, mais paysan bio, ouais. C'est, pour moi, tout petit déjà, c'était paysan bio ou rien, quoi. Voilà. Et pourquoi la bio? Ben, en fait, parce que dès l'âge de 14 ans, je savais que je voulais être en bio. Hein. Ça peut paraître bizarre. Je suis nantais d'origine, en plus. Mais de famille éloignée, maraîcher nantais, paysan Maine-et-Loire, et d'une famille très, très consciente des dégâts qu'allait provoquer la chimie. Et donc, tout petit, j'ai baigné dans cet environnement où on broyait du noir, quoi. On disait on court à la catastrophe, donc ça fait quand même quasiment 60 ans de ça. Et déjà, enfin non, j'exagère, 50 ans. Mais déjà, il y a 50 ans, il y avait déjà des gens qui disaient on va à la cata avec les pesticides. Et donc moi j'ai baigné là-dedans, donc je suis assez formaté, j'étais formaté avec ça, quoi. Voilà. Donc pour moi c'était une évidence que si je m'installais, c'était forcément en bio. Et donc avant de m'installer, j'étais 10 ans salarié à la maison de la bio quand même, maison de la bio du Finistère. Donc c'est quand même
une période de ma vie qui a été très importante, très formatrice. Pour moi, la bio, c'est une vision globale qui a plusieurs entrées, quoi, avec plusieurs préoccupations. La préoccupation de la protection de l'environnement, donc avec l'idée de fournir aux générations futures une planète qui soit encore viable, vivable. Le deuxième objectif, c'est de fournir aux êtres humains une alimentation de qualité, donc qui ne soit pas polluée par des pesticides en particulier, de toutes sortes. Et puis en plus, qui respecte aussi les animaux, enfin le milieu naturel, et dans le milieu naturel, je mets les animaux également. Et mon objectif à moi en tant qu'éleveur, c'est de mettre les animaux dans le milieu, au plus proche de leur état de nature. Et c'est pour ça que mes animaux ont des cornes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'insémination artificielle. C'est pour ça qu'elles mangent que de l'herbe, fraîche ou en foin. Et c'est pour ça même qu'il n'y a pas de bâtiment. Elles sont dehors tout le temps. L'objectif, c'est quand même d'avoir une qualité de viande qui soit la plus naturelle possible. Donc j'ai aucune intervention vétérinaire sur mes animaux, pas de vaccination, pas d'antibiotiques. Mais hormis le vermifuge, il n'y a aucun soin de synthèse aux animaux. Voilà. Et en plus, donc du coup, j'ai plutôt tendance à me qualifier de berger, dans le sens plutôt plus qu'éleveur, plutôt berger qu'éleveur. Parce qu'en fait, je vais voir les vaches, je regarde s'il y a de l'eau, de l'herbe, si les clôtures sont en état. Si elles n'ont pas mangé, soit je les change de champ, soit je leur amène à manger en hiver. Et puis après, j'attends que les veaux soient en âge d'être vendus, et dans ce cas-là, je deviens cueilleur. C'est-à-dire que je cueille le produit que m'offre la nature. Mais l'une des grandes satisfactions que j'ai, c'est le retour des consommateurs, puisque je dois dire que j'ai cette chance, c'est que les consommateurs sont quand même au rendez-vous et sont contents de trouver la qualité de viande que je propose. Donc je commence la commercialisation à partir de juin, puisque les vélages démarrent en février. Février, mars, avril, mai, juin. Donc pour qu'ils aient 4 mois, il faut attendre juin. Et à partir de juin, c'est tout en continu, jusqu'au mois de septembre-octobre, 2 veaux par semaine, 1 ou 2 veaux par semaine. Donc abattu à l'abatteur du Fou, qui est tout près d'ici. Et découper chez un prestataire, un boucher de... Donc là, maintenant, c'est à Châteaulin, chez un boucher qui s'appelle les Fermiers de l'Aulne. Donc, il fait la découpe et moi, je fais le conditionnement. Sauf quand c'est pour la Biocoop de Quimper, où là, ça part en demi-carcasse, livré directement de l'abattoir à la Biocoop. Alors, si j'ai des conseils de cuisson, c'est vraiment des cuissons lentes, à feu doux, le plus doux possible. Et pour tout ce qui est rôti, c'est vraiment en cocotte, à feu doux également. Voilà, c'est là qu'on retrouve, qu'on garde, et le plus naturel possible, avec le moins d'aromates possible, pour que tout le goût de la viande soit là. Alors j'ai commencé à travailler avec la Biocoop de Quimper il y a environ 5 ou 6 ans, je crois. Et c'est un partenariat qui est quand même très sympa. Il n'y a jamais d'embrouille. Et au début, j'étais étonné parce que je me disais, oh là là, mon type d'élevage, la qualité de ma viande, est-ce que ça va coller, quoi? Et finalement, c'est impeccable. Et ils sont très contents de la qualité de viande que je propose. Et moi, je suis très content du partenariat. Et voilà. Bon, je m'appelle Jean-Jacques, je fais partie de la Biocoop depuis 2009. Et je travaille avec Philippe Arnaud depuis à peu près 9 ans. Ah déjà, c'est du local, c'est très intéressant. C'est un producteur que je connais bien, qui fait de la bonne viande, le respect de la bête. Donc, c'est une viande très très goûtée, très très rouge, et pas grasse du tout. On se téléphone assez souvent pour savoir déjà mes besoins, si la qualité va, ce qu'il m'a envoyé, au niveau de la marchandise. C'est régulièrement courant.